Et salut à tous, on se retrouve donc sur la chaîne pour la suite de Ender Lilies. Alors, on avait récupéré le pouvoir là, du chevalier fou après l'avoir donc vaincu. On peut du coup utiliser sa double frappe comme ça. Et en même temps, on peut grimper donc sur les murs. Alors, ce que je peux vous montrer là, voilà, comme ça. Bon, je vous le montrerai de toute façon un peu mieux quand on aura des parois à escalader. Alors, ouais. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est, vous voyez sur la carte, les zones oranges sont celles qui sont considérées comme terminées, et les zones bleues, celles qui sont non terminées. Donc, on va essayer, si possible, de finir les zones en bleu. Voilà, récupérer un peu les trésors, les trucs comme ça pourrait être pas mal. Donc, celle-là, elle n'est pas complètement finie. On va voir ce que ça donne. Elle est pas mal, lui, hein. Ah, donc il y a un truc ici là. Comment je pourrais faire pour monter là-haut là? Ah ben là. Alors, on va faire R1. Non, pas mal pris. Voilà, comme ça c'est bien. Alors, chaîne magique, emplacement de relique. Voilà, là, terminé. On switch sur les techniques de base. Et pas mal le chevalier fou hein, à utiliser en combat. Pardon. Et ben voilà, avec ce pouvoir, ça va aider. Ça, par contre, je sais toujours pas comment les péter, ça. Cela, là. Ah, d'accord, ok. Ok. Alors, on va juste se reposer ici. Si jamais on meurt, au moins
On n'aura pas besoin de se revoquer les deux tableaux précédents. Ils font mal, hein. Ou qu'est-ce que c'est ça? Ah merde! Ah, parce que j'avais plus de vie aussi. Ah merde! Voilà.
Avec déjà un peu plus de vie, ça passe mieux. Alors, le chef des gardiens fait tourner sa chaîne à lame courbe pour attaquer les ennemis à proximité. Ok. D'accord, donc là, on retombe ici. Ok. Ah, tombe. Donc là, on peut toujours pas y aller. Alors, esprit, 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 tu l'as. 15 utilisations. Ok, activable dans l'eau. On va faire un déplacement rapide. Cette fois, on va essayer du coup d'aller par là. On va essayer de remonter. Voilà, on va essayer de finir les zones un peu en bleu là qui suivent. Donc ça serait par ici. Voilà, là on essaie simplement de retourner dans des zones qu'on avait déjà visitées pour essayer de les finir. Donc cela a été fait. Donc là on est dans une zone bleue, pareil. Ouch. Alors, toujours pas fini. Donc il a manqué un endroit ou un truc comme ça. Thank you.
Ah merde. Non, c'est trop loin là. Ça. Ah, t'as une zone d'eau là. On va aller voir au fond s'il y a. Oh, joli coffre. Augmente légèrement les dégâts des attaques. Eh ben voilà, des attaques lancées au sol. Eh ben c'est beau ça. Ça, ça me plaira. Alors, par contre, du coup, on n'a pas visité toute la zone là. C'est bizarre, hein. Ok. Oh merde, je t'ai pas vu toi. Alors, PV max. Plus 20. Ah ben, on a bien fait de retourner là. Hein. Non, là on remonte, ça sert à rien. Là on va là-bas, ça sert à rien. Du coup, il manque toujours un truc à terminer dans cette zone. Qui pourrait être là-dedans. Voilà, zone terminée. Oh ben, elle fait plaisir ça, la deux zones. Hein. Punaise, augmente les dégâts, plus 20 points de vie, plus récupérer un fragment pour pouvoir utiliser une compétence en plus. Appliquer une relique en plus, ça va, hein, à pas s'en plaindre, hein. Allez, grimpe. Allez, nouvelle zone terminée. Alors, là on va se reposer, on va, pour les reliques, on a dit qu'on allait appliquer ça, ça m'intéresse. Et esprit, non c'est pas ça, renforcé, non 76 sur 90, il me manque encore, ouais, c'est pas grave. Donc là on a tout récupéré. Ici, j'ai un truc que j'ai pas récupéré ici, à quelque part.
Alors là, on a vu qu'il y avait un coffre en haut, mais la question est de savoir comment le récupérer. Augmente légèrement la corruption acquise. Ok, parfait. Donc ça, c'est pour améliorer la barre ici, là, pour l'aspect. Pour remplir plus rapidement notre barre de spécial. Alors, on retourne là, on va se reposer à nouveau. Ça, on avait pris ça? Bon, je pense. Bon, là, on avait l'air d'être bon. Ah, je l'avais pas vu lui. Ça, c'était bon. Ah. Non, toujours pas. D'accord. Allez, switch. Non, toujours pas. Non, merde. Nickel.
Non, celui-là, je sais pas comment faire pour l'attraper pour l'instant. Non, ben là, on y est déjà arrivé, donc on devrait à nouveau pouvoir y arriver. Voilà, faut vraiment tomber au dernier moment, quoi. Non, par contre, en termes de dégâts, ça fait un peu plus mal d'un coup. Notre fameuse technique de lâche. Ah non, je pense que c'était bon. Là, on a vaincu lui. Oula, un miracle. C'est bon normalement là, non? Voilà, parfait. Avoir amélioré les compétences. Alors, renforcer. Ah, bah améliorer ça là, non? Ça c'est cool ça. Bon, on peut le mettre, de toute façon j'ai 8 emplacements sur 8, donc on va faire un petit coup de sauvegarder. Alors, on va regarder un peu la carte. Alors, qu'est-ce qu'on avait déjà par là? Je me rappelle plus. Il y a un passage, mais on ne pouvait pas passer, non? Ah ouais, la fameuse tour, là, ouais. Eh ben voilà! On passe!
Nouvelle zone. Ah, ça fait du bien quand on peut avancer un peu. Ouch, je l'ai pas vu, je croyais que t'es mort. Ça, toujours pareil, je sais pas quoi en faire pour le défoncer. Je pense que ce serait un pouvoir qu'il faudra acquérir donc par la suite. Ouais, tu peux passer par là, ok, ça y a pas de soucis. Oh merde, je t'ai pas vu toi. D'accord, non, toujours pas. Ah ouais, d'accord, j'ai défoncé le boss. Il a même pas eu le temps d'attaquer, quoi. La fille du château. L'esprit de la fille du château suit Lily pendant un certain temps et effectue une attaque rapprochée sur les ennemis découverts au sol. D'accord. Allez, toi dégage. Allez, on va s'attaquer à ton collègue là. Alors, prière de récupération plus 1. Ok. Voilà, qu'est-ce que c'est ça? Bon, après, s'il attaque toujours dans une direction, ça va. C'est pas non plus. On a connu pire. Le château royal. Bon, est-ce qu'il n'y aurait pas une zone où on peut... Non? Où on peut se soigner? C'est ça que je cherche. Qu'est-ce que c'est ça? On peut pas avoir, non? C'est trop compliqué. Je veux juste un endroit où me soigner, c'est tout ce que je demande. Je ne demande pas plus.
Oh punaise! Oh là là, je me suis pris sur le front. Et j'ai pris sur la cabesse. Allez, de retour. J'ai pas vu qu'il pouvait envoyer des coups de sabot. Ah ben voilà! Rapport de mage de l'interdit. J'ai découvert que sous certaines conditions, les sarcomes pouvaient fusionner plusieurs formes de vie en une seule. Je me demande ce que pourraient donner ces fusions d'âme et de conscience. Par exemple, pourrait-on créer des soldats capables de voler comme les oiseaux? D'accord. Non, non, il y a un ascenseur, ça, avec des chaînes. Ah merde, emplacement insuffisant. Qu'est-ce qu'on pourrait lever? Bon, mais emplacement 0, ça sert pas grand-chose. Voilà, il miche pas. Je préfère quand même avoir une possibilité de me soigner en plus. Ça m'arrange un peu mieux. Ah, parce que des fois, à certains moments, selon les zones, ça peut être utile. Bon, ben du coup, on va s'arrêter là. Donc, pour cet épisode, voilà. On va peut-être pas attaquer ça comme ça dans une vidéo à moitié entamée avec cette nouvelle zone donc, du Château Royal. Je préfère la garder pour voilà, vraiment une vidéo consacrée. Je sais pas combien de temps je mettrai parce que la dernière zone, là où on a éliminé le Chevalier Fou, m'avait pris quand même un certain temps. Voilà, parce qu'en plus, de 1, c'était quand même assez compliqué, et de 2, c'était un peu labyrinthique, et de 3, ben, il y a la vidéo du boss, je passais un bon moment dessus avant de comprendre un peu le fonctionnement, même si au final, c'était pas non plus trop compliqué, mais bon, voilà, il faut quand même un peu analyser les techniques. Sinon, voilà, ben, je vous dis à la prochaine, donc, sur la chaîne. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!